Yo les potes, c'est GGaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas les gars, ça va nickel. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du coup de plein de nouveaux concerts qui arrivent sur le jeu Fortnite bien sûr. Donc avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de me soutenir dans la boutique avec le petit code créateur GGaming dans la boutique, ça fait plaisir. N'oubliez pas aussi de partager, de liker et surtout de commenter dans les commentaires. Voilà, maintenant tout de suite là, hop, vous mettez pause, vous mettez un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du coup des concerts de Fortnite et lequel vous avez aimé du coup entre Sud Ariana Grande, Travis Scott et Marshmello. Et après on oublie ceux de J Balvin, etc. parce que c'était en fait royal. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci à toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent de jour en jour. Du coup, on va parler du coup du Sound Wave Series. Donc Fortnite présente la série Sound Wave. Coup d'envoi des spectacles musicaux avec Mohamed Amaki. Donc s'il y en a dans les commentaires qui connaissent, n'hésitez pas à me dire, moi je connais pas du tout. Préparez-vous pour Lance Honor, le premier spectacle de la série Soundwave, une série spectacle musicaux mettant en vedette des artistes du monde entier, commence le 1er octobre 2021. Chaque spectacle se déroulera dans sa propre expérience interactive dans le jeu. Le premier artiste de la line-up, vous l'avez peut-être entendu à la radio sur Fortnite récemment, le superstar égyptienne Mohamed Amaki. Donc c'est une star égyptienne, une superstar égyptienne. Donc voilà. Donc cours des prochains mois, l'Australien chanteur, compositeur, interprète Tones Edgy, le rappeur brésilien Emi Cidia, artiste pop japonais et producteur de musique Gen Osimo et record chanteur franco-malien Aya Nakamura, voilà, en français que nous on connaît, auront leur propre spectacle à découvrir dans Fortnite. Gardez un œil sur les détails pendant que l'onde sonore continue. En plus de ses tubes, le spectacle Amaki présentera la première interprétation de sa nouvelle chanson Late El More. Pour participer, les joueurs participent à la liste de lecture Amaki Musical Show, créée par les créateurs de la communauté Team Alliance et The Boy Dilly. À partir du vendredi 1er octobre à 14h, le spectacle répétera une interruption pendant 48 heures jusqu'au dimanche 3 octobre à 14h. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas participer tout de suite, les joueurs assisteront au spectacle, recevront la série Soundwave, Somaki en souvenir. Donc on recevra du coup un petit tag gratuit du coup. Si vous participez du coup au concert, du coup, ça sera sûrement, je pense, en fête royale. De plus, les joueurs auront la possibilité de regarder l'émission dans la liste de lecture Battle Royale via le Picture in Picture, disponible à certains nodes de l'événement et accessible via les paramètres. Amenez Late More avec vous, avec une émoticône spéciale. Pour tous les fans d'Amaki, vous pourrez danser et écouter Late More au-delà du spectacle pour célébrer la première interprétation de la chanson. L'émote Late et More sera disponible dans la boutique d'objets à partir du jeudi 30 septembre à 20h. Avant l'événement, voici l'émote en action. Donc ça sera nous du coup 20h HE. Donc nous, ça sera du coup à 2h du matin chez nous. Donc le vendredi, le 1er octobre à 2h du matin. Donc je vais vous montrer les modes. Je vais pas vous mettre de son parce que c'est sûrement copyright. Du coup, je vais pas vous mettre de son sur les modes, mais je vais juste vous la montrer. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez du coup de les modes dans les commentaires. Donc, rendez-vous au premier show de la série Soundwave, création de contenu pour le spectacle d'Amaki. Les créateurs de contenu du programme Soutenez Créateurs pourront héberger le contenu VOD de l'émission Amaki sur YouTube et le monétiser. Donc, je pense que je vous le mettrai en vidéo, je pense. La monétisation du contenu VOD sera active pendant 7 jours et aucune notification de retrait ne sera produite pour la suite. Du coup, ça après, bah, c'est pour du coup les YouTubeurs, machin, etc. Alors, le spectacle musical Amaki de ces lumières clignotantes, si vous avez des antécédents de photosensibilité, consultez un médecin avant de participer à l'événement, arrêtez immédiatement si vous ressentez une gêne. Donc voilà. Donc à partir du 1er octobre du coup à 14h HE, donc ça veut dire du coup 1er octobre HE, HE ça fait 20h chez nous. 1er octobre à 20h du coup, on aura le concert du coup de Mohamed Amaki, du coup du 1er au 3 octobre. Pour le moment, c'est Mohamed Amaki qui commence. Après, on aura sûrement Emi Sida, Gen Osimo et on aura aussi Aya Nakamura en concert sur Fortnite. C'est n'importe quoi. Voilà. Bon, enfin bref. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Moi, je vous partage l'information. Voilà. Vous pouvez avoir du coup ce tag gratuitement en participant à l'événement. Et après, il y aura la danse, bien sûr, dans la boutique. Du coup, voilà. Moi, j'espère que cette vidéo, les gars, vous aura plu et vous aura informé du tout, du coup, des nouveautés qui vont arriver sur le Battle Royale. Et du coup, moi, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Stage Gaming. Bye bye.